Noumane, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi. Ta-da-ta. Besoin de crédit? FIFAcrédit.com. Salut les biloutes, c'est Noumane. On se retrouve entre deux journaux de la Coupe du Monde pour une vidéo normale, entre guillemets, une vidéo fut mode Coupe du Monde. Hein. On va rester dans le thème, dans le moment. On va continuer une nouvelle série pour la nouvelle team, pardon, pour la série La Coupe du Monde. Allons la décrocher ensemble. Et cette fois-ci, vous voyez que on va jouer avec l'équipe des États-Unis, zone CONCACAF. Parce que bah voilà, ça fait partie de ces équipes que j'ai où je peux mettre un joueur à chaque poste, qui est plus pratique pour faire une équipe, tu me diras. Et donc voilà, je vais vous présenter. En plus, elle tient carrément bien la route. Ça va pas trop s'attarder sur tous les joueurs, hein, vite fait. Tim Howard, vous le connaissez, hein, le gardien de BPL, que j'ai réussi à choper dans un pack. Au niveau des défenseurs centraux, c'est pas extraordinaire. Après, vous connaissez peut-être, Jones, le MDC qui joue en Bundesliga. Il a des strats très très correctes. Hein, regardez plus de quasiment toutes les stats au-dessus de 70 et un gros physique, 1m84, ça peut être intéressant. Lui aussi, vous le connaissez. Klim Dense, le joueur également de BPL. Alors je sais pas s'il est en BPL ou s'il est parti ailleurs, mais je sais qu'il est pas, il a passé pas mal de temps en BPL. 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Sur les côtés gauche, nous allons jouer avec Bisley, Damarcus Bisley, avec son 90 de vitesse, ça peut rendre service. Au niveau du MD, c'est là où j'avais le moins de postes, du coup ça sera Graham Zuzi. Il n'y a pas de Zuzi, enfin j'espère pas en tout cas. 4 étoiles de mauvais pied, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et les deux attaquants, alors là on va pouvoir peut-être se faire plaisir, à savoir Josie Altidore. Alors j'espère qu'il va pas non plus dormir pendant le match, mais il fallait la faire obligatoirement. 81 de tête 73 et surtout un très très gros physique, 1m86. 1m86, donc un physique super puissant, un physique de buff. Et le joueur cheaté par excellence, hein, à savoir Eddie Johnson. Alors je l'ai jamais testé en mode Coupe du Monde. Quand vous l'avez sur fut, vous pouvez avoir n'importe quel défenseur TOTS, il va vous le défoncer. Donc Eddie Johnson, ça fait zizir, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Et également à noter un joueur d'1m96 en défense, Omar Gonzalez. Aïe aïe aïe. J'espère que ça va faire mal. En tout cas, on va se retrouver. Alors je vais vous mettre un match, le match décisif dans la phase de qualification, dans la phase de poule. Et si j'ai la chance de me qualifier avec cette équipe, à ce moment-là, je vous mettrai tous les matchs de phase finale, je vous les enchaînerai tous les jours, ça ira plus vite. Donc on fera comme ça. En tout cas, on va déjà essayer de se dépatouiller de cette phase de qualification. A tout de suite pour le match décisif. Suite de la vidéo, on se retrouve donc, vous pouvez voir que je suis à une victoire et un match nul, donc 4 points. Normalement, si je fais un match nul ou une victoire, ça devrait le faire. On va se lancer le match tranquillou, hein, voilà. Après, c'est toujours pareil, hein, si on passe, on passe, si on passe pas, on passe pas, c'est pas bien difficile. Alors cette équipe est intéressante. C'est juste que c'est vrai qu'au niveau rapidité d'exécution des crochets et des petits trucs comme ça, c'est un peu mou de la tige. Hein, c'est un peu mou de la tige. Le physique, il y a ce qu'il faut. Ça, il n'y a pas de souci. On va attendre. On va quitter directement parce que de toute façon, EA ne trouvera pas d'adversaire. À chaque fois que c'est comme ça, c'est que ça ne trouve pas d'adversaire. On va se relancer ça. Donc, oui, équipe intéressante. Les attaquants, je les pensais un peu meilleurs quand même. Hein. Je les pensais un peu meilleurs, à part avoir un petit physique et voilà, c'est un peu mou. C'est un peu mou. C'est Altidore pour l'instant, mon meilleur buteur. Et Johnson n'a pas encore marqué de but en deux matchs. Ce serait bien qu'il me trouve un petit adversaire quand même. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo ou dans une autre. Oui, par contre, on va peut-être changer de maillot. Voilà, c'est parti. Alors, nous allons tomber sur une équipe à 83 de général, forcément, comme il n'y a que des équipes à 83. Oh, 85, j'ai beaucoup de chance. Deux matchs, ouh, il faudrait pas perdre, sinon. Alors, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pedro, ça me fait pas plus peur que ça, parce que vous savez très bien que dans ce jeu, plus t'as des mes grosses équipes, moins tu joues bien, sauf quand tu gères bien, enfin moins tu joues bien, moins tu peux jouer, sauf si tu gères vraiment bien, à ce moment-là, ce sera une véritable branlée. Mais bon, c'est pas grave, je vous dis, le principal, c'est de vous présenter une petite équipe comme ça, et puis on fait un ou deux matchs, là, apparemment, si je perds, ce sera un. Oh là, oui, alors Bisley, il est rapide, il a 90 de vitesse, mais il est mou. Genre, à mon avis, il doit marcher au Prozac, ça doit être un truc comme ça. Alors attention à l'ouverture, voilà, tranquille, nous, tranquille, ou pas, bien joué Howard. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait là, parce que c'est vrai que c'était un petit peu couillon de relancer en plein dans l'axe. Le corner qui est tiré, attention, passe devant. Oups là, ouais, non, il est... Ouais, elle est pour moi. Donc oui, on va essayer de se faire un maximum d'équipes. Je sais pas, j'arrête de paquer, hein, parce que c'est vrai que balancer des centaines de milliers de crédits pour avoir que des doublons pendant une heure et demie, c'est un peu relou. Allez, va mon ami, faut que tu proposes. Ah là, il a proposé. C'est un LBY, mais bon. Alors oui, ils sont pas géniaux au niveau des appels de balles, mais deux attaquants là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Cristiano Ronaldo qui se fait rattraper par Gonzalez, allez comprendre quelque chose. Qui se bat bien quand même, qui arrive à trouver. Voilà. On y arrive tant bien que mal. Ouais, faut pas s'énerver. Alors ça va être compliqué, on va pas se mentir. Là, il y a un petit appel, je le vois, donc forcément je le lance. C'est pas que j'aime bien les LBY, mais au bout d'un moment, quand il y a un appel, forcément faut le servir. Voilà, bien joué Johnson. Ouh la vache. Allez, le centre pour Altidore. Altidore. Oh, Altidore,
C'est dommage, c'est un peu le bordel. Di Maria, oui, il y a vraiment une grosse équipe. Hein. Il a vraiment une grosse équipe. En même temps, 85 de général, ce serait dommage de, qu'il y ait des joueurs de merde avec son 85. Voilà, là, c'est bien joué. L'ouverture, elle est pas mal. Je suis désolé, ça va être un centre-tête. Est-ce qu'il y aura un but? On va voir ça dans quelques secondes. Non, pas du tout, puisqu'il s'est placé comme un goré. Ah, Javi Martinez aussi. Ouf, laisse tomber l'équipe. Laisse tomber l'équipe. Et pour l'instant, comme je vous dis, ça qui est extraordinaire dans ce mode de jeu, c'est que n'importe quelle équipe peut taper n'importe quelle équipe. Pour l'instant, on est pas mal. Allez, on ouvre, nous on écarte. Et je parle bien évidemment de football. La tête. Oh, dommage, Victor Valdez. Ouais, puis tu dis, franchement, cette série-là, ça a vraiment pas but à être... à être compétitif. Ou bien au contraire, on était avec toutes les équipes. Je pense que j'ai assez de joueurs iraniens pour me faire l'équipe d'Iran. Donc je pense qu'on va se marrer avec ça. Mais bon, comme ça on découvre, c'est le plaisir. Voilà, parce que tout droit man, qu'est-ce que c'est, tout droit man. Tiens, tu connais le tout droit man, je vais te faire un LBY man. Oup là, une Copperfield, c'est magique, ça atterrit toujours là où il faut. Oh, je t'avais lu, mais le problème c'est que, bah, c'est pas passé. Allez, au physique. Eddie Johnson, on l'a vu au deuxième. Oh, mais non. Oh. Pff, dommage. Ah, on a eu un peu de chance, c'était dévié. On va tirer un peu plus fort, parce que je tire pas assez fort les corners. Le but, où il est passé au-dessus de Victor Valdez. Tiens, truite pas dans le filet. Tweet. Je vais dire Marc Gonzalez. Non, c'est pas du tout Marc Gonzalez, c'est le joueur chilien. Alors, je sais pas ce qu'il a fait sur Victor Valdez, mais à mon avis, il s'est un peu chié dessus. Hein. Ouais, bon, il a été un peu poussé aussi. Bon, je pourrais dire que j'aurais mené contre cette équipe à 85 de général avec mon équipe des États-Unis. Bon, par contre, ce serait bien de pas se prendre tout de suite l'égalisation. Comme là, c'est bien parti pour, puisque je ne peux pas trouver mon joueur. On se bat les enfants, on se bat. Allez, au physique là, tranquille Emile. Oh, si j'avais pu lui donner. Ah, dommage, Eddie Johnson qui se bat. 1-0. Bon bah voilà, au moins j'aurais réussi à mener contre cette équipe. Je vous dis, il faut pas lâcher l'affaire. La Coupe du Monde, c'est tout le monde peut la gagner. Enfin, tout le monde peut la gagner. Ça qui est un peu stressant d'ailleurs, c'est que n'importe qui peut battre n'importe qui. Et là, pour l'instant, j'en suis la parfaite illustration. Allez, va. Oh, dommage. Bon, comme je vous disais, c'est un peu mou quand même à réagir. Hein. L'Américain, je sais pas ce qu'il a. À force de trop manger des hamburgers, bah, du coup, forcément, il réagit plus. Oh, ça, c'est de la merde ce que j'ai fait. Ça, c'est bien de la merde, mon ami. Heureusement, le physique américain est ce qu'il est. Allez, va. Oh, là-bas. Oh. Là-haut. Mais non, mais pas lui. Allez, Dean Johnson. Le deuxième, Altidor. Aïe, oh, derrière une volée. Oh, pousse. Il y a faute. Oui, bien joué là. Oui, quand même, il m'a tiré les cheveux. On l'a tous vu, il m'a tiré les cheveux. Ça se fait pas dans le football. Est-ce qu'on lui met comme ça? Oui, allez, j'annonce un petit but. Ça fait plaisir. Oh. Voilà, la grosse frappe ou pas? La grosse frappe. Oh, mais passe devant. Oh, il est pas passé devant, ce couillon. Bon, Cristiano Ronaldo, pour l'instant, qu'on voit pas trop. Qui se fait bien prendre hein, par des joueurs aussi connus que Gonzalez et compagnie. Allez, Jones. Ah, il est pas hors jeu. Non, il est pas hors jeu, monsieur l'arbitre. Oh, la vache, il est pas hors jeu. Ah, appelez la vidéo. Ouais, bon, allez, si, il est hors jeu. On va pas non plus gueuler tout le temps. Alors que là, surtout, il était vraiment hors jeu. Mais il fait moi un petit gris-gris. Là, si je te la pique, ça va te piquer au cul, tu vas voir. Attention. Oh, cours. Bien joué, Howard. Bien joué, ça qu'on veut. Non, par contre, c'était pas là qu'on voulait la mettre, mais bon. Je prends quand même. Oh la vache, là, il y a eu attentat, là. Enfin, tu connais pas Bisley, 90 de vitesse, gaucher de son état. Oui, bah là il s'est pris deux cakes. Il était postérisé pour le reste de sa carrière. Allez, va. Voilà, mais Bisley il est comme ça. Il lâche pas l'affaire. Et nous, on lâche pas le centre. Tête, but. Oh, ça, il a quitté son slope. Il a quitté son slope, comme dirait Georges Eddy. Dommage. Allez, 40ème. On est toujours devant. Ouf, alors ça par contre, oui, j'allais dire, c'est un peu bizarre.
Bah, Eddie Johnson, mon ami. Oh, dommage, il a lâché le. Il a lâché, bien joué. Ah, Cristiano Ronaldo. Cristiano, non, Messi, je sais pas. Enfin, toujours est-il qu'on s'est fait égaliser. Dommage. 1-0, 1-0, un partout. Bon, il y a tout à retenter. Hein. Par contre, les gars, on vient d'engager, donc ce serait bien que vous portiez un petit peu devant, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon. Le physique, toujours. Ah, ça y est, c'est parti. La machine EA est lancée. On ne peut plus rien faire. Allez, sorti. Un partout à la mi-temps, j'espère, à la mi-temps. Ouais, on cherche pas, on balance devant, histoire de... Voilà. Ouah, il n'y a pas faute. Oh, Chiellini qui t'a mis un vieux tacle. Ouais, oui, il dégage directement en touche. Là, vous avez vu un petit peu Eddie Johnson qui a poussé au cul. C'est pas très beau, mais au moins, c'est efficace. Donc là, on va attendre que le ballon revienne en touche. Voilà. Ah, oui, c'est vrai, quand on attend un peu trop. Du coup, c'est l'adversaire, ça, on change de lanceur de touche. Donc là, on attend encore une fois que le ballon sort. Putain, et la vache. Ah, c'est au taquet, hein, FIFA. Je veux dire que ah, regardez mon défenseur central. Regardez qu'est-ce qu'il fait en haut à droite. Voilà. C'est FIFA. Non, simulation ultime. Simulation ultime. Le mec, il va dégager le ballon là-bas. Alors que le gardien pouvait le faire, quoi. Et je fais une touche n'importe où. Ouais. Bon, moi, ça me permet d'être là, hein, tu me diras. Ouais, oui, bah, si t'as pris Cristiano Ronaldo pour faire des tout droits, forcément, ça va pas aider. Bon, je m'en fous, j'ai Dempsey. C'est aussi efficace. Voilà. Oh, dommage. Bon, c'était pas très très beau, je pouvais pas marquer. Là, si j'avais marqué là, ça aurait été Marco Van Basten contre l'URSS à la finale de championnat d'Europe de 88. Un partout. Quand on voit l'équipe qu'il a en face de nous, on se dit que franchement, on n'a pas à rougir de ce match nul. Et puis pour l'instant, match nul, oui, match nul, on est qualifié avec 5 points quand même. Vous n'allez pas me dire qu'on n'est pas qualifié avec 5 points. Le tout, c'est de pas se prendre un deuxième but. Ah, attention, il est parti. Mais oui, mais quand même. C'est pas non plus Abbé Pierre dans les buts, l'ancien. Hein. Cristiano, il est gentil, mais il peut pas non plus mettre des buts d'anthologie à chaque fois. Voilà, le physique. Ah, pourquoi tu sors en touche? Oh, j'étais en train de regarder où est-ce que je pouvais la mettre avant de la donner. Forcément, c'est moins pratique. Ah, ça risque de... Ah, non, ça va, heureusement. Je préfère qu'il a... Ou quoique. Quoique, il a Pedro. Et moi, j'ai Timo Ward, donc ça va. Pedro contre Timo Ward. Oh oui, ça, Dempsey. Ouais, magnifique. Allez, on y va. Oh, court, continue, dommage. On n'a pas réussi à centrer. Au physique, ou pas. Allez, ça y est, tout droit, man. Tiens, nos gardiens. Dégage-moi ça tout loin. Ah. Ah oui, non, je l'avais vu, mais il était parti trop loin. Oup. Ouais, ça commence à allumer un peu de loin. Il veut tenter de me postériser en direct. Il a bien raison, si ça passe, bravo à lui. Pour l'instant, oh, ouais, mais Di Maria, normalement, il est pas censé avoir le physique d'un enfant de 4 ans, quoi. Le mec, il résiste à tout le monde, quoi. Alors je sais que je fais ça souvent, mais sinon je sais que si je me retourne, vu la lenteur des Gugus, je vais perdre la balle. Et ça me ferait chier. Ah, d'accord, petite faute, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Si l'arbitre a sifflé, c'est qu'il y avait faute. Voilà, merci. Merci Tintin. Oh. Il s'en sort bien, hein. Il s'en sort très très bien. Oh non, j'ai fait une connerie. Quoique. Ouais, si, j'ai fait une connerie. Je pensais qu'il allait s'écarter beaucoup plus. Ouais. Non, bien sûr. Bien joué, gardien! Ah, le fameux défenseur central, vous savez, qui passe à travers comme ça alors que tu lui demandes rien. Tiens, deuxième fois qu'il a quitté son slope, lui. Ah, ouais. Bah, si, j'étais en train de me faire taper en haut, là. Je sais pas si vous avez vu, il était en train de se manger quelques petits coups. Forcément, ça aide pas pour pouvoir se replacer et attendre le deuxième sur le 1-2. Non. Je sais que je dis non, ça sert à rien, parce que s'il doit marquer, il va marquer, mais j'aime bien dire non. Ouah, quand je vous disais la lenteur du Gugus, là, vous avez vu un peu? Non. Ouais, ça commence à être chaud, les amis, on va pas se mentir. Ça commence même à être très très chaud. Mais bon, on va réussir à s'en sortir. Ah oui, Memels, il a mis une gifle, quoi. Il a carrément mis un coup de coude. Coup de balayette, manchette et tout ce qui s'ensuit avec.
C'est de la NFL à ce niveau-là, les enfants, c'est de la NFL. On est toujours devant. Tiens, énorme hors-jeu. Et ça, là, elle est toujours pour nous. Allez, bats-toi. Bats-toi, l'ami. Allez, faut que tu partes. Oui, forcément. Allez, c'est loin, c'est devant. Hop, 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 hop. Les Gundogan, ils sont tous un physique hors norme, hein, ces joueurs. Allez, Zouzi. Il n'y a pas de Zouzi. Oh, ça, c'est un petit rouge, ça. Qu'est-ce qui se passe? Attentat! Attentat! Rouge, mais rouge. On peut pas faire. Monsieur, c'est violent, c'est violent. Oh, mais jaune, tu parles, ouais. Suce-moi le. Hein? Suce-moi le zboob. On va essayer de tirer ça bien. On va essayer de mettre ça de manière à ce que un de mes joueurs mette sa grosse tête. Bon, et là, là, eh, si je pouvais avoir quelqu'un, ça serait pas mal. Ah oui, alors sur la contre-attaque, 3 contre 1 comme ça, ça fait un peu chier. Ça va, on a réussi à se replacer. Et il nous fait une petite pause. On ne critique pas les pauses. La dernière fois que j'ai critiqué une pause, on m'a tout. Il y a des centaines de personnes, il y a des collectifs anti-pause. Enfin, pour que les gens fassent des pauses qui me sont tombés dessus. Oui, mais tu sais pas, tout ça, oui, tout ça. Il fait peut-être un arrêt cardiaque, sa maison est peut-être en feu, son chien est en train de mourir. Oui, oui, oui. Donc c'est pour ça que je ne dirai rien. Et j'attendrai patiemment les 20 secondes. Voilà. Ah, ah, ah. Putain, alors là, c'était soit je partais avec le ballon, soit il y avait but derrière. On a de la chance, on est parti avec le ballon. Bon, mon ami, là, il est gentil, mais il veut pas arrêter de faire des fautes, là. Pour Dempsey, Dempsey. Allez, voilà, bien joué. Allez, allez. Oh, il était trop court. Putain, il fallait pas se raser le crâne, mon ami. Tu aurais eu une grosse touffe, tu aurais marqué. Dommage. Ouais, alors tout droit man. Ouais, ça c'est de la merde. Ouf, heureusement qu'il y a encore du physique. Hein. Heureusement qu'ils ont encore du physique. Par contre, au niveau des passes, c'est très compliqué. Ouais, c'est vrai qu'ils ont du bon physique. LBY, je sais que je fais que des LBY. Oh, oh, il a quitté son slop. Encore une fois, sur le petit cri gris, là. J'aurais bien aimé le double contact qui avait mis à mal mon adversaire. Ouh, bien joué. Il a tenté directement. 80e minute. On est toujours à un partout. Et ça, ça fait plaisir, étant donné qu'il a une énorme armada. Je vous rappelle quand même, avec pour ceux qui prennent la vidéo en cours, alors je sais pas si vous prenez les vidéos en cours, hein, avec du Ronaldo, du Messi, du Di Maria, du Neuer. Ah oui, mais continue ton action, là, petit kéké. Qu'est-ce qu'il fait? Attention là-haut. Ça va passer pour Di Maria. Pedro. Pedro, attention. Ouais, bien joué ça. Allez, la contre-attaque, les amis. C'est maintenant, c'est le moment. Hop, tu croyais que... Eh bien non. Oh la vache, mais c'est quoi ce boucher là? Ah là, il a un CAP de boucher charcutier quoi. Tiens, viens ici. Ah putain, ouais, bah les jaunes, ça aurait été peut-être un peu plus rouge quand même, non? Ouais. Bon, j'ai peut-être fait une connerie là. Ouais, peut-être fait une connerie. Ah ouais, non mais il faut qu'il arrête. Revenir à la faute. Allez va, 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 va. Ouais, je te la donne, je te la donne, je te la donne. Ouf, il joue pas du tout le ballon, il joue pas du tout le ballon. Et on va perdre la balle, dommage. Il avait pas du tout joué le ballon, c'était concentré juste pour me mettre des coups de physique. Non, il est passé. Ouais, là aussi il est passé. Qu'est-ce qu'il siffle? Oh, mais il siffle faute, il y a absolument rien. En pilote, t'as de la chance parce que normalement, t'avais pas du tout décidé de la mettre là. Bon, il est pas génial. Il est pas génial. On n'aura pas vu trop son Messi. On n'aura pas vu non plus son Cristiano Ronaldo. Ouais, de toute façon, il reste plus beaucoup de temps. Il faut balancer devant en espérant que ça touche au but. Allez, que quelques secondes. Attention à pas perdre maintenant. Ce serait dommage. Allez, passe devant, mon dieu, quand ils inventeront une touche, je passe devant dans FIFA, ce sera tellement mieux. Eh, long dégagement de Timo Ward, long, 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 oh, oui, oui, effectivement, il est long, hein. Ça pour être long, il est long, peut-être un peu trop long d'ailleurs. Il ne reste plus que quelques secondes, quelques secondes, quelques secondes. Ah, bien joué, ça c'est comme qu'il l'ait fait, allez, c'est terminé. On va aller vérifier quand même, normalement, qu'est-ce qu'il va? Non, si, quand même, on est qualifié normalement, on va aller voir ça. En tout cas, ça me ferait plaisir, ça permettrait de faire un deuxième petit match. Lionel Messi qui est un peu déçu, qui se dit « Ah, avec l'équipe qu'on a et tout ». Oui, je comprends, mais bon, comme je vous l'ai dit, faut pas chercher bien loin avec FIFA, soit ça passe, soit ça casse. Cristiano Ronaldo 42e contre un but de Gonzalez à la 19e.
au niveau des stats générales du match. On va aller voir ça vite fait avant de vous laisser. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que mon gardien... Ah, c'est bon, on est qualifié, les enfants, on est qualifié. Mon gardien a fait 8 arrêts, le sien en a fait 8 également. Et au niveau des stats générales, comme je viens de le dire, 10 frappes à 8, 7 frappes à 5, on a eu plus la balle, il a frappé un peu plus, ça tient l'un dans l'autre. On va aller... Ah, tiens, je vais vite aller ouvrir les deux packs, là. Normalement j'ai deux packs en doublon. En doublon, les deux packs, pardon, d'après-match, qui vont forcément me donner des doublons, parce que j'ai que des doublons maintenant, donc il n'y a plus d'intérêt à ouvrir des packs maintenant. Ok, on est qualifié, c'est génial, on va aller vite ouvrir les packs, comme je vous disais, voilà, j'en ai deux. Petite équipe américaine, bon vous voyez, hein, c'est un peu lent à réagir, c'est assez costaud, hein, parce que vous avez vu que Cristiano Ronaldo et Messi sont pas trop passés, voire quasiment pas passés pour Lionel Messi. C'est très costaud, et bon, ça manque un peu de Joga Bonito, mais bon, c'est une équipe comme une autre. On va skipper un peu pour aller plus vite. Nous tombons sur Insua que j'ai en doublon forcément. J'allais dire, hein, c'est le jour maintenant où j'ai un joueur que je n'ai pas, c'est limite j'ouvre le champagne, je fais une fête, une orgie dans mon jardin. Et le deuxième pack, directement. Sur qui on va tomber? Tiens, Messi ou Ronaldo, de toute façon j'ai pas Neymar, j'ai pas Benzema, j'ai pas Ribéry, j'ai personne. Le mieux que j'ai, c'est Luis Suarez, et encore je m'en sers même pas parce que je vous dis le mot de Coupe du Monde, j'ai déjà quasiment laissé tomber. Allez, du gros quand même là. Ziller. Ah, bon, moi je l'ai pas en doublon, mais j'ai Neuer, donc en même temps ça ne me sert pas à grand chose. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour le 8ème de finale avec cette équipe des États-Unis. Moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut tout le monde. Newman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro. La grosse frappe.